Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur le terrain de boules de Château-Gombert dans le 13e arrondissement. Un terrain de boules qui a fait parler de lui il y a quelques semaines en raison de l'entêtement de la maire de secteur, Madame Pareil, qui voulait expulser l'association pour placer ses petits amis. Clientélisme, quand tu nous tiens, nous l'avons alerté sur cette démarche, ce coup de force qui ne pouvait aboutir qu'à une situation conflictuelle, tellement conflictuelle que la mairie centrale, évidemment, est rentrée dans la danse. Alors pour nous, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que l'association ne sera pas expulsée. Il n'y avait pas de raison que cela soit ainsi. Donc la mairie centrale nous a donné raison. Grande victoire pour nous, les élus du Rassemblement National, qui avons mobilisé les Gombertois, qui avons alerté la mairie centrale. Le souci, c'est que la mairie centrale a saisi l'occasion pour, taper sur les doigts de la mairie de secteur, de Madame Bareil, en récupérant la gestion de l'équipement. Voilà les conséquences de l'entêtement de Madame Bareil, de son inexpérience, de son incompétence. Cet équipement ne sera plus sous la gestion de la mairie de secteur, mais de la mairie centrale. Voilà. Bravo Madame Bareil. Vous n'écoutez pas les conseils. Vous n'écoutez pas les conseils des gens d'expérience qui vous ont donné des idées, des conseils dans l'intérêt général. Vous n'en faites qu'à votre tête, dans l'intérêt partisan. Voilà le résultat. L'équipe Bareil, si elle n'était pas là, ça irait beaucoup mieux.